Just here not to step out in front of the law. Just here not to step out in front of the law. Just here not to step out in front of the law. Just here not to step out in front of the law. Just here not to step out in front of the law. Just here not to step out in front of the law. On peut l'applaudir, je crois. D'avoir un artiste international. Cher Tony, vous avez choisi d'articuler cette exposition autour de deux événements. Raison pour laquelle vous étiez là il y a un an, monsieur le maire Michel de Lépine, vous avez accueilli l'hôtel de ville. Et donc ces deux événements sont d'une part la création de deux lithographies, en plus bien sûr de ces 24 peintures. Et d'autre part, la réalisation d'un film. J'ai ici la revue Armag, la dernière revue Armag que je vous recommande. De ce qui est spécial, Merci-les-Bains. Donc vous voyez, Merci-les-Bains s'implante dans le monde de l'art contemporain, ce qui est une bonne chose. Et je vais vous lire juste un petit paragraphe qui reflète bien l'exposition. Pour la préparation de son exposition, Tony Soulier a entrepris un voyage à Merci-les-Bains en compagnie du cinéaste Dominique Degrave. Bonsoir Dominique Degrave, au passage, il est là. Et ce dernier a capturé en image le processus de prise de photographie de Soulier, ainsi que son travail ultérieur en atelier. Ce court-métrage a été sublimé par la musique de Didier Debril. Bonsoir également, cher Didier Debril, créant ainsi une symphonie visuelle et sonore. Alors, il y a une phrase que j'ai retenue dans ce film, cher Tony, c'est que vous dites « Je ne suis pas photographe, je suis peintre ». C'est-à-dire qu'en fait, la peinture est là pour venir perturber, pour venir déranger, pour venir violenter la photographie. Et dans la très belle monographie qui est ici, un très beau texte d'Anita Caspiel. Bonsoir également, chère Anita. Elle est là, à côté de Jean-Gabriel. Alors, chère Anita, vous êtes bien plus radicale. Je vais vous contredire, Madame l'adjointe. C'est que vous dites la photographie, en fait, n'existe plus. Elle a disparu. C'est la négation de la photographie. Et donc... je pense à mon cher Jacques Derrida qui se serait régalé de commenter cela. Il aurait parlé de la photographie qui est présente que seulement pour mieux énoncer son absence. Il aurait parlé de la présence-absence de la photographie beaucoup mieux que je ne saurais faire.